la portière. Oui. Mais pourquoi elle vous a reconnu? Non, elle a regardé par la vitre. On dit que la portière, la vitre était fumée. C'est okay. Pour ça qu'elle nous a reconnu. Oui. Ah, mais arrivé. On va comment? Hein? Voilà. Donc là, bonjour, on va visiter papa Kama Joseph. Papa Kama Joseph. Papa Kama Joseph. Oui. T'es heureuse d'aller chez lui? Oui, oui, je suis très heureuse. Voilà, c'est un papa qui est à l'église depuis, mais il se sent pas bien. Il ne va pas bien, donc j'ai demandé à tous les leaders d'être là à 16h. On est arrivé, il n'y avait personne parmi les leaders. Dans quel état il est, savoir ce qu'on peut faire pour lui. Mm-hmm. Est-ce qu'il doit faire plein de cadeaux? Autour là, il est déjà vieux. Tu as des amis cheveux blancs. Okay. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quoi? C'est déjà un papa, ok? Oui. C'est ton grand-père, en fait. Oui, grand-père, ça veut dire vieux. Oui. Vieux, ça veut dire qu'il est beaucoup âgé. Il a beaucoup d'âge. Oui, il a pris de l'âge. Hein? Ça veut dire qu'il a pris de l'âge. Oui, comme toi. Ah non, Denis, non, moi je ne suis pas vieux, je suis jeune encore. Oh. Et bientôt tu es vieux. Oh. Et papa, bientôt tu es vieux. Oui. 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 D'accord, c'est quel lycée? Moi, je suis au lycée de Soissons. Maman, je ne sais pas où je vais. Il n'y a pas de problème. Papa, on va résoudre ça. Papa, elle est en train de pleurer. C'est pas ta classe. Oui, elle pleure parce qu'elle va aller à l'école, mais elle n'a pas les moyens. Tu vois, toi, t'inscris parce que ton père, il travaille. Et tu vois, il y a des enfants dont, qui n'arrivent pas à aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas l'argent. Ou d'autres, leurs parents les ont abandonnés, tu vois. Elle, par exemple, elle est à l'école, mais elle n'a personne pour l'aider. Donc, tu dois bien fréquenter. Tu dois rentrer à ta vie. Son père pour l'aider. Oui, mais son père ne veut plus l'aider. Son père l'a abandonné. Il est parti où? Je ne sais pas, il est parti. Demande-lui où son père est parti. Son père est parti où? Tu vois, elle ne connaît pas son papa. Son papa n'est pas gentil du tout. Son papa l'a abandonné. Son papa, il est méchant avec elle? Oui, je sais pas, bon, mais il n'est pas là, il a abandonné depuis qu'elle est enfant et il ne paye pas son école. Est-ce que ton papa est méchant avec toi? T'as vu? C'est triste, n'est-ce pas? Elle ne connaît pas son papa. Mm-hmm. Elle ne connaît pas le nom de son papa aussi. Demande-lui si elle connaît le nom de son papa ou pas. Est-ce que je connais le nom de son papa? Elle ne connaît pas. Mais moi... Où ça? Ici, là, à droite. Ici, hein? Papa, je sais qu'il ne sera pas méchant avec moi. Qui ça? Son papa. Non, on ne va pas chez son papa. On va pas chez son papa. C'est où? On va pas chez son papa, on va chez son grand-père. Son grand-père, il est gentil. Oui, il est très gentil, il est malade. Mm-hmm. C'est la maison de son grand-père. Oui, mais pourquoi ta maison est gâtée? Parce qu'il n'y a personne pour entretenir, j'ai mis moi.
rentre dans sa maison. Oui, on y va. Parce que, tu vois, dans la vie, il faut être gentil. Quand tu vas grandir, tu ne dois jamais oublier ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont pauvres, d'accord? Et oui, ceux qui sont malades. Je vais leur donner beaucoup d'argent. Oui, d'accord. C'est ce que tu dois faire quand tu vas grandir. Oui, okay. Ça, je peux faire. On mais il y a de la boue. Je ne peux pas marcher, c'est la boue. Non, tu vas marcher. Oui. Papa, je marche comme toi, comme ça mes nouvelles chaussures ne vont pas se salir. Ne vont pas se salir, c'est bien. Comme ça mes nouvelles chaussures ne vont pas se salir. Oui. Alors tu descends par toi-même, ok? Oui. Vas-y, descends. Comme ça? Vas-y. Voilà. On y va? Et où est son église, son papa? Son papa vient à l'église chez nous. Hein? Il vient à l'église avec nous. Hein? Il vient à l'église avec nous. Ok. Oui. Bonjour. Ça va? Ok. Ok, ok. Je suis en train d'église. Voilà. Tata. Oh, papa? Comment? Comment tu vois là? Ouais. Comment tu vois? Maman est où? Maman est partie chercher la musique. Où ça? Tu sais filmer? Hein? Ok. Tu vas tourner. Là, voici papa Jean. Salut les gens. Là. On te regarde en direct. Non, papa Jean. Ça fait longtemps. Les bébés, ça va? Ça va, tonton. Venez alors, venez m'embrasser. Oh! Madame, maman, qu'est-ce qu'elle est venue? Elle est partie chercher les leaders. Qui? Ma tante qui était là dedans. Elle est partie chercher les leaders. Papa, Jean vient de l'appeler. Ah, comment vous allez? Tiens, filme-nous alors. Attends, ah, c'est en direct, hein? Donc, tu vas pour filmer comme ça. Tiens, doucement, doucement. Mets pas la main ici. Voilà. Voilà. Ça va, hein? Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Yo, professeur, je vais te voir quand. Voilà la fille là. Il n'a pas parlé bien avec le petit là. Oui. Je veux la voir. Mais comme tu es ici, l'autre jour, elle est partie là-bas, à la maison, on ne peut pas nous permettre, elle est cousée de ma mère. Qui? Elle est? Oui, j'étais venue à la maison. J'avais même vu le canal. Tu filmes bien. Je suis papa, ça, c'est moi, je dirais. Deux fois même. Ici, là, à la gloire de Dieu, comme tu me souviens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis là. Même le problème des maisons là, j'ai quitté là-bas à l'église, parce que la bombe là, je sais que je vais sortir. Je n'avais pas l'argent de me payer. Lui, il a déjà supporté, mais c'est ça. Mais comme la fille que je connais là, son gars, il m'a appris, comme j'étais là au Dja. Au Dja. Mais là-bas aussi, le problème, toujours la maison. La femme là, elle est où? Elle est à l'Allemagne, où elle est quoi. Mais la maison même, ce n'est pas encore fini. On m'a fait encore sortir. Comme il y a une dame là-bas, à monter là-bas, au marché, etc. Elle m'est connue là-bas comme une gilet là-bas. Comme elle a dit que sa fille a acheté le terrain ici. Comme ce n'est pas la maison là, elle me voit comme ça. Il va venir faire, je ne sais pas encore, ici là, pour que tu me vois là. Tu salues grand-père, tu as vu, mon père Jean. Tu salues, tu dis bonsoir. Bébé?
Salut, ma là. Mon bébé. Dis-lui bonsoir, là. Dis-lui bonsoir. Vas-y, ça va, tu veux. Dis-lui bonsoir. Dis-lui bonsoir, tété. Viens, alors. Bonsoir, tété. Tine, c'est sympa, Tine, hein, tu vois. C'est les questions de l'université. Tu as vu tes petites soeurs aussi? Oui, et pourquoi elle a du vernis au pied où il y a le bandage? C'est pas le vernis, c'est la maladie en fait. Tu vois? On dirait que le pied s'est cassé. Tous les pieds même. Je ne peux pas pour donner la maladie. Et ici, c'est ça. Et ici, là, et ici, là je vois pas son pouce ici. Là, il a le pouce, mais ses mains aussi sont malades. Tu vois? Il est malade. Peut-être quand papa, quand ton père va se vieillir, peut-être qu'il sera aussi malade comme ça, tu vois? Quand tu prends de l'âge, et puis il y a des maladies qui arrivent souvent. C'est pour cela qu'il est assis sur la chaise, il ne peut plus marcher. Il faut qu'on lui rende visite de temps en temps. Pour prier avec lui, pour l'encourager. Tu comprends? On va prier. Seigneur, merci pour la grâce et l'occasion que tu nous accordes d'être dans cette maison. Merci Seigneur parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Merci pour notre papa, merci pour la foi qu'il a gardée malgré les épreuves les plus difficiles. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous as donnée de le retrouver. Nous prions que ces retrouvailles servent à ta gloire dans le nom souverain de Jésus. Merci Seigneur parce que en toi il a une famille et pour nous il nous est précieux à cause de l'amour de Christ qui nous lie. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé au plus haut des cieux dans le nom précieux de Jésus. Père, merci parce que tu lui accordes de la santé. Tu le guéris de l'intérieur à l'extérieur. Toi qui as formé et forgé son corps, toi seul peux le guérir. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour la santé que tu rétablis en lui. J'ai la foi qu'en sortant ce soir, il se sentira mieux par ton Esprit Saint. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à l'école parce que il n'y a pas de moyen. Parce qu'elle m'a expliqué dans la voiture. Voilà. Donc, le reverend Bassama, quand il va rentrer, voilà. On va les aider à aller à l'école. On va les aider. Donc, je connais tout. Papa, l'enfant, là, chouchou. L'enfant est seul. Elle est en train de dormir, sa mère est elle a dit que papa passe mal à télé. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment?
Tu ne parlais pas. Colo, dis ton nom à papa. Tu t'appelles comment? Ton nom, c'est quoi? Colo, toi, ton nom, c'est quoi? Lui, je ne connais pas ton nom. Papa, elle ne veut pas. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Bébé, oh, oh, bah, oh. La mamie défend l'anglais, faut s'y caber les cas. Bébé, oh. Tu t'en souviens? Oh, la mamie défend l'anglais, faut s'y caber les cas. Bébé, oh. Tant pis, oh. Mamie défend l'anglais, faut s'y caber les cas. Bébé, oh. Tant pis, oh. Ça, c'est la maison, hein. Papa. On avait rien préparé aujourd'hui. Vous n'avez pas de réchauffement. La plaque à gaz qu'on vous avait donnée à grand-mère. Oui. On a toujours ça, c'est du temps, mais c'est seulement que le gaz est fini. Même, voilà. Même le téléphone qu'on avait donné, ça s'est gâté. C'est chez le technicien pour qu'il arrange. La plaque à gaz, ça fonctionne. Oui, papa. Ok. Eh ben, j'ai grand-père. Oui. Ça va, bébé, oh. Ton crayon. La mère défend l'anglais. D'accord. Donc, on va aller vous acheter la bonne nourriture tout à l'heure. Mm-hmm. Je voulais voir ce qui manque à la maison. Oui. On va aller vous acheter l'essentiel d'abord. Pour la santé, c'est comment? Et si tu as fait un bilan de santé? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Papa. Il est allé à l'hôpital. Il était parti. On a commencé à acheter des comprimés. Il y avait un comprimé qui marchait. On a dit que c'était 100 000. C'était 50 ou combien de 1000 euros pour le vendre. C'est ça qu'il n'avait pas acheté. C'est ça que le vendre lui menaçait. Là, je le sens comment, papa? Quel est le problème que tu as? Est-ce que tu as le diabète? Non. Le diabète? Et il a le diabète. Tu veux qu'on t'amène à l'hôpital? Tu veux qu'on te fasse les examens ou bien? Mm-hmm. Ou bien, qu'est-ce que tu souhaites? Mm-hmm. Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'amène à l'hôpital? Mm-hmm. Ça va, ça va. Ça va. Viens. Il dit que s'il y a l'argent, il peut partir, mais lui, il n'a pas l'argent. Il dit que si vous voulez que vous partez à l'hôpital, vous partez alors. Oui, il faut qu'on te fasse quand même un bilan de santé, tu vois. Là, tu fais le bilan de santé, c'est-à-dire qu'on va prendre ton sang pour regarder à l'intérieur s'il y a ce qu'il y a dans ton corps. Là. Voilà, à base de sang pour... Ah, tu ça, tu mets la porte là. Ouais. Ça va. Oh, mais mets à côté, tu peux mettre les deux portes. Tiens, tu marches pas avec elle. Tu laves tes mains, tu viens prendre l'enfant.
Maman est partie loin. Je ne sais pas, dans bientôt elle va rentrer. Moi, je, comme je suis rentrée, elle était déjà partie. Mais bientôt elle va arriver. Ça va, ça va, ça va. Bébé, oh, ton crayon. Mamie, des fondants, des fossés, des cabellets, car tu peux chanter pour elle. Tu peux chanter des sus. Vas-y, chante, viens chanter. Bébé, ne pleure pas. Viens, chante le chant. Ok, papa, on va d'abord aller chercher, vous acheter à manger d'abord. Chaque mois, l'église va vous apporter à manger. Chaque mois. C'est la recommandation que je vais laisser aux auditeurs. Oui, bonne arrivée. C'est papa qui est ici. Papa Dobby. Bonsoir, papa. Ah, papa Jean, bonne arrivée. On est arrivé en bas là-bas. C'est là-bas qu'on est. On est monté capitaine là et comme on ne connaissait pas le nom. Non, donc tout le monde va venir. On va dire que chez le câbleur. Donc tout ce qui vient, on appelle la moto chez le câbleur pour arriver ici. Ah, ok. Oui, donc. C'est chez le câbleur ici. Oui, le papa, mon coco arrive. Mon coco, mon coco arrive. Il m'a appelé là. C'est une sœur qui nous amène ici. Laissez, je vais me placer là-bas. Et voilà. Voilà, hein. Allemand. Voilà. Je dis qu'il a couru, ils allaient ici. Ils sont aussi en vie. J'entends Armand. J'appelle Armand. Dis que je l'appelle. Papa t'appelle! Tante Armand, papa t'appelle! Viens par le téléphone, tu filmes pas. Ça va, ça va, ça va. Chante encore, Jimmy, chante encore. Chante encore. Ok, on va aller chercher à manger là-bas. Oui, papa. Immédiatement, on va aller acheter le taxi. Maintenant, il faudra qu'il aille à l'hôpital. Et on est même pour qu'on fasse un bilan de santé. Pour voir de quoi il souffre vraiment. Pour essayer de trouver une solution. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. La lulu de ma mamie, bonsoir. Bonsoir. Elle fait pas mal. Il y a un de
Ok. Bon, papa, donc on va faire comme ça, tu comprends, non? Je vais courir. Donc, je sors là, on va aller acheter à manger, on vous apporte d'abord. Et le revoir, bah, ça va rentrer quand c'est demain. Ce soir. D'accord. Donc, lundi ou mardi, on va venir te chercher pour qu'on aille à l'hôpital. Oui. On va te faire un bilan de santé. Et on va, à base de ça, je pense qu'on saura quoi faire après. Tu as compris? J'ai dit que chaque mois, l'église doit le donner des vivres pour leur habitat. Chaque mois. Il y a les petites filles là qui disent que voilà, l'école, ils n'ont pas les moyens. Elles veulent être inscrites au lycée. Comme le vendre sa main dans le domaine, qu'ils les aident à s'inscrire. Quoi. Et papa. Mm-hmm. C'est un peu ça. Ok, papa. Mm-hmm. Moi, je vais partir alors. Oui, oui, bien, il fait. Tiens, alors, tiens, bébé. Hein? Tiens, l'enfant. Marie. Ton nom c'est Marie. Ton nom c'est quoi? Marie Gloire. Tiens alors, tiens ta petite soeur. Tu la portes souvent. Tu es forte, hein? Voilà. Bravo. Bébé, ça va, hein? Ça va aller. D'accord? Bon. Moi-même, bien marché. Okay. Papa, merci beaucoup de courage. Sans force, ça va aller. Ça va aller. Maintenant, là, on sera là. On sera là. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de force. Et le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle. Ok, on va prier. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur à qui tu nous as donné la grâce. Rendre visite ce soir. Nous recommandons sa vie, sa santé, sa famille entre tes mains. Demandons que ta faveur soit sur sa maison. Amen. Ses enfants soient bénis. Amen. Puis ses entrailles soient bénies. Amen. Sa maison soit bénie. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous voulons qu'il sache qu'il a une famille. Amen. Et que nous ne les avons pas oubliés. Amen. Nous voulons, conformément à l'enseignement sur l'amour que Christ nous a donné en héritage, nous recommandons de nous aimer les uns les autres. Seigneur, nous voulons nous engager à les assister. Amen. Autant que cela est possible. Amen. Sous la mesure de grâce que tu nous as donnée. Prions pour sa santé. Qu'il soit guéri. Amen. Seigneur, c'est un vieillard. Il y a des vieillards dans les écritures qui ont été bénis avec une santé de fer. Amen. Que cette grâce lui soit accordée. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Caleb, à 120 ans, a dit qu'il saute comme une gazelle, comme un jeune homme. Que tu l'as béni avec la santé divine. Amen. Que papa soit visité par cette santé divine. Amen. Quand nous partons, que nous croyons que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. 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 Ok, papa, tout à l'heure. Alors. Mm-hmm. Donc, on va. Bon, papa, comme les gens sont faits, tu vas la vie. Je vois ça, c'est ça.